C'est marrant, ils les mettent à la caisse maintenant pour éviter les vols. Ah là 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 là, j'espère qu'on va trouver du XY là. Tempête céleste, ça serait incroyable. Mais c'est le vrai prix ça. Allez frère, je suis dégoûté. Non, déjà ici, y'a plus rien. Ça part vraiment très très vite. J'en ai vu des choses, mais là, vous allez avoir les yeux qui saignent. Eh, j'ai rigolé carrément. Dans cette vidéo, je te fais gagner ce magnifique tripack origine perdue. C'est très simple, tu likes, tu t'abonnes et tu commentes. Là les frères, c'est incroyable ce qui se passe. Je viens de recevoir un message d'un abonné qui a Jiffy. Apparemment, il y avait des packs XY et Soleil et Lune. Je viens de revenir de la brocante. En plus, je suis assez fatigué, mais on va y aller. En plus, ça ferme dans pas longtemps. J'espère que j'aurai le temps d'y aller. Et j'espère surtout qu'il y aura quelque chose. Oh les gars, je me grouille de fou. La Jiffy va bientôt fermer. Si jamais vous avez ce genre de plan, n'hésitez pas à partager après sur Insta ou Discord, envoyer un petit message. Comme ça, on met au courant le plus de monde possible. Après que vous vous soyez servi, bien sûr. Ça, nous on les partage derrière. Il y a tout le monde qui en profite. Allez, je suis en train de me speeder les gars, ça se trouve, va rien à voir. On sait pas si c'est national du tout. L'abonné l'a envoyé ça, il a dit je suis allé comme ça par hasard, j'ai trouvé. Si je trouve, c'est un truc incroyable pour le coup. Il y a tout qui commence à fermer là. Allez frère, je suis dégoûté. En gros, l'heure qui avait marqué sur Google, c'était une des meilleures de décalage avec la vraie heure. Je suis arrivé à 20 minutes avant que ça ferme sur Google. Mais dans la réalité des choses, ça fermait à 19h et pas 19h30. Donc bah, je suis bredouille et je suis trop dégoûté, sa mère. Du Tempête Céleste avec du XY évolution, vous imaginez? On est le lendemain. Du coup, on va pas se laisser avoir parce que hier, je suis arrivé au moment de la fermeture. C'est n'importe quoi. On y retourne. Je viens de finir le boulot là. Ça m'a bien saoulé. J'espère qu'on va trouver du lourd. C'est mobilisé carrément. Moi, au pire, c'est pas grave, ça fera la marche de la journée. J'ai été en télétravail, ça va me faire du bien. Dans la jungle, terrible jungle. D'ailleurs, info super importante, il y a les coffrets de Noël qui commencent à être dévoilés. Parce que chaque enseigne va avoir son propre coffret. Donc le clair, la grande récré. C'est des coffrets qui sont assez sympas la plupart du temps. Parce que dedans on a des boosters un peu plus vieux, genre du Évolution Céleste, etc. Parce que Évolution Céleste, l'air de rien, ça fait un an quand même les gars. Elle a été un peu boudée au début, entre guillemets, pas vraiment boudée, mais il y en avait partout. Donc il y avait des prix plutôt bons et on en trouvait assez facilement. Mais c'était vraiment parce qu'il y avait eu deux stocks qui sont venus en même temps en fait. C'était quand il y avait eu les réimpressions. Et tout est arrivé presque en même temps parce que Poké Company, ils sont assez débiles. Et du coup, vu qu'ils ont eu des retards sur les commandes, et bah, les deux stocks sont arrivés en même temps, il y en avait partout. Mais tout est parti à une vitesse phénoménale. Donc Tali, VMAX, Alternate, Rayquaza, Dracolos, enfin que des trucs, que des bangers. Donc quand tu regardes ça, tu dis que cette collection là, c'est vraiment la meilleure du bloc épée et bouclier de très loin. Je suis mort à la police de cette ville, on dirait une ferme. Dites-vous là, je fais une vidéo à la place d'aller à la salle. Hein. D'ailleurs, vous êtes des zinzins sur la dernière vidéo là. La vidéo chez Invest, elle a fait plus de 20 000 vues. Et l'autre 10 000, c'est un truc de fou là, vous vous régalez de fou. D'ailleurs, on va essayer de vous trouver un petit tripack là, parce qu'on va pas faire que Jiffy. On va y repasser, mais on va aussi voir un peu ce qu'il y a chez Cultura, etc. Comme ça, vous voyez si vous voulez passer. Et si je trouve un tripack, je vous l'offre comme d'hab. Donc comme vous le voyez à la grande récré, rien du tout. D'ailleurs, même les vidéos brocantes, vous êtes des zinzins, vous avez tout explosé. Par contre, ça va être un peu compliqué maintenant, vu que l'hiver arrive et le froid. Là, il pleut, ça va être compliqué dimanche de vous en faire une. Mais si jamais vous les avez pas check, je vous les mettrai sur le bouton ici, même à la fin de la vidéo. On va voir s'il y a, mais d'abord que tu as un carnet secret. Vous pensez à des boosters dedans? Masterclass, machin. Ah, il y a même une petite promo. Alors déjà ici, il n'y a plus rien par rapport à la dernière fois, donc... Ça part vraiment très vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore du blister sous blister. On a des tripacks. Ah, on a des tripacks. On a des tripacks, mais on n'a pas le prix. Écoutez, je vous en prends un. On va prendre ça à la caisse. Il n'y a pas de carte. Ah ouais, il n'y a pas de carte. Si je veux des cartes, faut que j'achète ça ou ça. Ça? Ouais, il y en a trois demain, si tu veux. Trois cartes? Non, trois boosters. Maintenant? Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est un peu moins cher. Non. On leur demande? Ouais, c'est ça, il faut le prendre, il faut aller là. Tu veux pas de l'ego, tu veux rien de ta part. C'est sûr. Ça, ce sera ton cadeau d'anniversaire. Que des cartes Pokémon. Franchement, 3 paquets de cartes en fait. Ouais, exactement, ouais. C'est 3 comme ça en fait. Merci. Merci. Alors, il y a toujours les ETB ici. Le prix en fait il est derrière, j'avais pas vu. Donc ici c'est 18 balles, c'est un peu plus cher qu'autre part. On a toujours aussi les ETB Pogo hein, les mecs. Hein. 63, ça a l'air de rester. Hein. Les chins, vraiment les chins cubes. Vous savez qu'elles datent d'au moins 6 mois. Hein. Ça part vraiment pas. Les Pokéballs, bon, c'est un peu plus récent. Les coffrets HK14, c'est exactement pareil, ça part pas du tout. Hein. C'est quand même un truc de fou. Il y a des items, mais la plupart du temps, c'est des items qui partent pas. Par exemple, là, le TB, à un moment, il n'y en aura plus forcément. Et les tripacks blister, c'est pareil, vous allez voir. Je suis tombé sur une maman avec son enfant, là, c'était trop drôle. Il cherchait des cartes Pokémon pour son anniversaire, et je les ai un peu aidés. Toujours les fameuses figurines, hein. Yamato, incroyable. Et toujours les petites Funko, comme d'hab. Ah, elles sont stylées, hein. C'est combien ça? La couleur, la petite Mewtwo, là? Ah, 16 balles.
Bon, ouais, c'est pas mal, hein. J'ai envie de les collectionner, mais bon, Pokémon, ça prend déjà assez d'argent. Bon, du coup, on va ramener ça à la caisse, bien sûr. Ça, c'est pas un papier, hein. Ça va être le petit tripack, parce qu'il faut les changer à la caisse pour éviter les vols, comme d'habitude. Et je vous le ferai gagner, évidemment, comme d'hab. Petit pouce bleu, abonnement et commentaire. J'essaye de vous régaler, j'espère que ça vous fait plaisir. Toujours checker ici, ne sait-on jamais. Est-ce qu'il y a encore du Digimon? Ah non, les Digimon, c'est parti, les mecs, carrément. Ah non, bah non, il est toujours là, hein. Toujours le Digimon. Faudrait que je me renseigne ça pour savoir tous les combien de temps ça sort. Comme ça, quand il y a le nouveau, les mecs. On est déjà prêt. Par 4 s'il vous plaît. Bon allez, go prendre notre revanche. Vous voyez sur internet ici là, il y a écrit 19h30. C'est pour ça la dernière fois je me suis fait couiller. Bon, la dernière fois les mecs, je m'étais fait virer par le vigile parce que j'avais la grosse caméra. Là je pense que ça passera mieux. Il y a l'air de pas avoir grand chose dans les rayons. Tout se passe à la caisse je pense. D'ailleurs ces trucs là, si vous avez des items à stocker c'est pas mal, mais acheter la action en vrai c'est beaucoup beaucoup moins cher qu'ici. Pratique pour ranger les cartes ça. Ah là 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 là, j'espère qu'on va trouver du XY là. Du Tempête Céleste, ça serait incroyable. Peut-être en caisse. En caisse ? Parler des decks ? Non, ça fait des boosters. Ouais. Normalement, c'est en caisse derrière. Vous voyez le petit mouvement là ? D'accord. Vraiment, il pose des cartes. Ok, ça marche, je vais regarder ça. Merci. Mais c'est le vrai prix ça ? J'en ai vu des choses, mais là, bon là les gars, on se dirige vers le carrefour pour voir s'il reste des trépacks à 13,30, ce qui est un très très bon prix, mais là j'en ai vu des choses à Jiffy. vous allez avoir les yeux qui saignent. Je vous ai pris des petites images, et j'ai rigolé carrément. 23€ pour un tripack. 7€ pour un blister, bon ça on a déjà vu à Micromania, etc. C'est moins cher. Mais 23€ pour un tripack, c'est du jamais vu. Même pendant live, ils vendaient pas aussi cher Picoui. Il y avait aussi des decks à 25 balles, enfin ça avait ni queue ni tête. Et quand je pense qu'il y en a qu'ils ont trouvé des boosters XY, j'ai vraiment trop le seum. J'ai l'impression ce qui sont passés, c'est qu'ils ont récupéré un gros stock en fait. Et que ça a été dispatché dans les différents Jiffy un peu partout. Mais qu'ils n'ont pas tous eu la même chose. Vous savez, les tripacks, c'est des produits standards, entre guillemets. Et eux, ils s'en foutent que dedans, il y a du XY Evolution ou autre chose. Donc, les dispatch. Pour eux, ça reste le même item. Hein. Ils ne regardent pas les boosters qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec du Origine perdu à 23€. Parce qu'en fait, ils étaient vendus exactement au même prix, les Tempêtes Célestes, avec les XY Evolution. Ce qui est un très bon prix pour le coup, sachant que chaque booster vaut entre 30 et 40€ en non pesé. Ça me fume toujours autant quand je me balade dans les centres commerciaux. Je passe pour une bête de foire. Les gens, ils n'ont pas de me regarder, mais c'est pas grave. Et du coup, t'as de la chance, dans le tien il y a peut-être des trucs sympas, mais moi pour le coup il y avait que du Origine perdu. Et bien sûr j'ai pas pris de blister ni de tripack parce que comme vous voyez c'était beaucoup moins cher à Cultura. Et let's go voir mes copains. En vrai les gars j'ai un peu le mort, ça aurait été l'occasion d'en ouvrir pour le coup. Du Tempête Céleste, ça se trouve plus du tout. Dites-vous, ce jeu je l'ai acheté, je l'ai même pas fini. Par contre il est cool hein, pour le coup. Bientôt violet écarlate. On va en profiter pour regarder aussi ici, on sait jamais s'il y a un petit truc qui s'est perdu. Hop, des petits pixels là, c'est plutôt cool. On a les maniaques comme d'hab, toujours du Digimon. Je sais pas si vous avez vu. Mais tout à l'heure, je vous ai montré à Cultura. Il y avait les nouveaux magazines où il y avait deux boosters dedans. Après, c'est les boosters du début là, quand ça vient de sortir et où il y a trois cartes, donc c'est pas très intéressant. Mais c'est marrant, ils les mettent à la caisse maintenant pour éviter les vols. Bon, je suis retombé sur la vendeuse sympa de tout à l'heure. C'était cool de parler avec elle. Mais ils ont que du Astre Radieux sur les tripacks. Et vraiment, Astre Radieux, ça part pas du tout. C'est un truc de fou, Origine perdue, il n'y en a plus. Franchement là, vous avez vu, j'ai fait Cultura, j'ai fait Jiffy, j'ai fait Carrefour là, j'ai fait la Grande Récré aussi, et il n'y en a pas beaucoup. En soi donc, ça part plutôt très très bien Origine perdue. Hein. C'est là que tu te rends compte de la puissance de Pokémon quand même. Bon, j'ai fini de faire mes miniatures de con, je vous jure. C'est toujours aussi marrant de voir les gens te regarder bizarrement quand tu fais ça. Au fur et à mesure du temps, tu prends l'habitude, tu t'en fous un peu. Mais vous voyez, c'est ça qui est marrant au début, t'as pas l'habitude, t'es là, t'as peur de parler un peu, que les gens te regardent bizarre, etc. Et au bout d'un moment, tu t'en fous. Tu marches, tu vlogs, tu fais tes trucs et c'est trop bien en fait. Parce que t'as avancé, on dépend plus du regard en fait des gens. En vrai ça donne trop la dalle de voir les beignets comme ça fait devant toi. Micromania, Micromania. Bingo. Excusez-moi. Est-ce que au niveau des Pokémon, vous aurez des tripacks Origine perdue ou vous en avez plus? Ah non non. Vous en avez plus? Ouais, j'ai plus que ça, ouais. Ça j'ai reçu aujourd'hui. Ok. J'ai reçu aujourd'hui. Après ce qui me reste après. Ok, ça marche. Ok, merci. Vachement intéressant, Micromania. Du coup, ils ont un restock de coffret Arceus V. Dedans, il y a du voltage éclatant, donc c'est pas mal du tout. Ils avaient aussi du style de combat, tout ça, mais ça, pff, jamais on prendra.
Mais c'est marrant parce que les tripacks origine perdue, il y en a nulle part les mecs. Hein. Vraiment, ça part à une vitesse éclair, c'est un truc de fou. Je pense que les gens, ils ont compris qu'on avait des drops de foot dedans. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne où j'ouvre les tripacks parce qu'elle est incroyable. Si tu veux voir plus de vidéos dans les magasins, clique juste ici. Et si tu veux voir les brocantes, clique là. Débouche ça.